Et nous te disons merci pour tout ce que tu as pu vivre pour nous ce soir. Pray that you open the door of revelation unto every one of us. Et nous prions encore en ce jour, tu vas nous ouvrir la porte de révélation. That we be blessed of your word and our lives being turned around completely. Afin que nous soyons bénis par ta parole pour transformer nos vies. With thanksgiving, we make our request known unto you in Jesus' name. Et par nos remerciements, nous te fais savoir tout ce que nous avons besoin. And everybody say amen. Et que tout le monde dit amen. Let's be seated. On peut s'asseoir. Praise the Lord. Amen. I want to thank God for this evening. Je veux bien remercier à Dieu pour ce soir. I believe that we are all in God's presence to be blessed. Je crois que nous avons tous venu dans la présence de Dieu pour être bénis. I pray that His blessings we will not miss in the name of Jesus. Et je prie que sa bénédiction on va pas rater au nom de Jésus. When it's time for us to pray, quand c'est le moment pour nous de prier, I will encourage you to pray very well. Je vais vous bien encourager de vous mettre dedans et prier. For prayer will be baseless when there is no word. Que la parole, comment dire, la prière n'aura pas la base et être efficace quand il n'y a pas la parole dedans. We need to pray. On a besoin de prier. I know this is a praying church. Je sais que cette assemblée est une assemblée de prière. My first worship on Sunday, I could see the fact that we are praying very well. La première fois que j'étais là parmi vous le dimanche, que j'ai constaté que vous êtes le pauvre, le faux. Vous priez bien. And wherever people pray, obviously testimony flows. Et partout où les gens se mettent dedans dans la prière, il y a toujours des témoignages. Because testimony is the evidence of prayers. Que les témoignages, ils sont les preuves de notre prière. When prayer lacks testimonies, it becomes frustrating. Que quand des prières manquent de témoignages, ça sera rien. And what provokes the miracle of the testimonies is the power of the word. Et qu'est-ce qui provoque des miracles de témoignages? C'est la puissance de la parole. So we want to pray tonight. So ce soir on va prier. But we need to go into the word of God. Mais on a besoin de vraiment entrer dans la parole de Dieu. Because it is that word that we can use in preparing the fire that will enhance the miracle. Parce que c'est la parole de Dieu qu'on va utiliser de préparer et de provoquer des miracles. Now let's go into the word of God quickly. Maintenant, on va aller dans la parole. Book of Luke chapter 13. Dans le livre de Luc chapitre 13. And verse 6 to verse 9. Et verset 6 à verset 9. Luc chapter 13. Luc chapitre 13. Verset 6 à 9. I read. Je vais lire. He speak also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruits of this fig tree, and find none. He said, Cut it down, why cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it. And dung it. Verse 9, which is the last verse, says, And if it bear fruit, well, and if not, then after that, thou shalt cut it down. I think she should read in French. Dites aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. There are, I think about 4 people appear in this verse. Et je crois qu'il y a 4 types de personnes, de personnages. Dans cette parabole. The first person, la première personne, is the owner of the vineyard. C'est le vigneron, c'est ça? C'est lui qui possède. Le vigneron, merci. That is God Almighty.
C'est Dieu le Tout-Puissant lui-même. Is the owner of the vineyard. C'est lui qui est le propriétaire de la vie. Ah, français. Alléluia. The second person. La deuxième personne. Is the dresser. C'est lui qui les ouvriers ça. L'ouvrier. It was that dresser happens to be you and me. Cette personne, l'ouvrier, c'est vous et moi. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. And if you look at it further down, si nous voyons ça jusqu'à en bas, especially if you look at verse 8, particulièrement verse 8, there is an answer to a question that comes in verse 7. Il y a une réponse à une question qui a été posée dans la verse 7. The person that was answering there was Jesus. Que la personne qui répond à cette prière, c'est Jésus le Fils de Dieu. Pleading for the dresser. C'est lui qui entend de plaider pour les ouvriers. Before God Almighty. Devant Dieu le Tout-Puissant. That God will allow the dresser to work on it for another 1 more year. Que le Seigneur en train de supplier à son Père de bannir l'ouvrier, de lui donner le privilège d'opportunité de encore travailler jusqu'à un an de plus. And if there is no result, then he can cut down the tree. Maintenant, après un an, s'il n'y a pas les résultats, il peut couper l'arbre. Without wasting time. Sans perdre le temps. I want to narrow it down to our lives. J'aimerais bien inculquer ça dans nos vies de tous les jours. This story is about the story of a fig tree. Cette histoire, c'était une histoire de l'arbre de figue. Figuier. The fig tree was planted in a vineyard. Que le figuier a été planté dans la vigne. You and I could as well represent the fig tree, or it represents your assignment, your task on earth. Que cette figuier peut représenter vous et moi ou notre appel. Ou qu'est-ce que le Seigneur nous appelait à faire dans la vie? It is the expectation of God for every one of us sitting in the house that our life should be productive to him. Amen. Que c'est l'espérance de Dieu, c'est le disciple de Dieu, de chacun de nous, que nous sommes ici, que nos vies portent de fruits. Amen. We are not saved just to warm the chair. We are not saved just to be dressing, looking good and just be going out and coming. We are saved for a purpose. Amen. Que le Seigneur nous a pas sauvés pour venir chauffer les chaises ou pour venir se faire belle. C'est que Dieu nous a sauvés. S'il nous a sauvés, il nous a sauvés pour un but précis. Amen. There is an essence of your salvation. Il y a un sens à ton salut. There is a value that has been placed on you based on your salvation. Il y a une valeur qui a été placée sous toi. So God has an expectation over your life. Alors, Dieu lui-même a une espérance sous votre vie. And you are bound to meet that expectation. Que c'est une obligation d'atteindre cet objectif. In the case of this victory, que par rapport au sujet de cette figuier, the expectation of God for the victory is that the victory should produce fruits. Que l'espérance de Dieu, c'est que cette figuier porte du fruit. But in the case of this victory, mais cette figuier, victory was only bringing out leaves. Donc cette figuier peut-être que porter de feuilles. Was only bringing out leaves. Des feuilles. Fragrance. Bon parfum. That was the only thing the victory was useful for. C'est tout ce que cette figuier particulière porte. And God, the owner of the vineyard, was so frustrated. Et que Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui est le propriétaire de cette vigne. À un moment, il en a marre. And he commanded the dresser, cut it down. Et il a dit au souffrier, what's he useful for? Qu'il n'a aucune utilité. What's he useful for? Il n'a aucune utilité. The Bible recorded that he said, this tree is occupying space. Cut it so that some other tree can come up and be useful. Que la Bible a particulièrement dit que cette figuier, il a tous pris, il profite des places pour rien. Il faut mieux de le couper pour laisser les figuiers, les autres qui sont capables de porter du fruit. Amen, amen.
We must be very, very careful as a child of God who is born again. Qu'on doit faire très attention et nous met en garde, étant chrétien qui a été né de nouveau. Some things in our hands or our life can provoke the anger of God against us. Il y a certaines choses dans nos mains, il y a certaines choses dans nos vies qui vont provoquer la colère de Dieu contre nous. Especially, particulièrement, when our life is no more productive. Quand si nos vies ne produisent plus, on porte plus de fruits qui est agréable à Dieu. When we are no more bringing forth fruits of righteousness. Quand si nous ne produisons plus les fruits de justice. Later you can get back home, go and read the book of Galatians, where the Bible talks about the fruits of the spirit. Je vous conseille à chacun de vous, en arrivant à la maison, pour mettre dedans le livre de Galates, pour pouvoir comprendre. Parce que Galates parle beaucoup de comment porter du fruit. We must produce fruits. C'est une obligation pour nous, étant chrétiens, de porter du fruit. It is not optional. Fruits. C'est pas une option. For us, fruit bearing for us as a child of God is mandatory. Porter du fruit étant des enfants de Dieu, c'est une obligation de la part de Tout-Puissant. Our life must be fruitful. Que nos vies doivent porter du fruit. Our life must produce fruits. Nos vies, il a une nécessité, c'est une obligation de porter du fruit. But, you know, bringing out leaves is not the importance of heaven. Faire produire des fruits, ce n'est pas l'objectif du ciel pour nous. All you do is to come to the church, look good. Apply all those facial treatments, dress nice, wear the best attire. That is not the importance of God when it comes to your life. Si tout ce qu'on fait, c'est de venir à l'église avec des beaux vêtements, des places, faire beau, faire belle, de venir ici, ils ne sont pas les choses importantes pour le ciel. Est-ce que vous dites ceci? God will save you so that you can have a happy home. Que Dieu vous a sauvé afin de vous intégrer dans un foyer heureux. No. God has saved so that you can have a happy home. Que Dieu vous a pas sauvé pour cela. God has saved so that you can be healthy. Le Seigneur vous a pas sauvé pour y avoir les bonnes santé. You are saved so that you can have all the riches of this world. Que le Seigneur nous a pas sauvé pour y avoir la richesse. It is a normal thing. It's a normal thing. C'est juste une fact. Pour le point de Dieu. If you are saved and you don't have all these things, then your salvation must be questionable. Que même si à un point dans votre vie vous n'arrivez pas à y avoir toutes ces choses qui sont naturelles, que ça veut dire quelque part qu'il faut. All those things, good health, having good family. You know, having cars, having good job, represent the leaves of the tree. Y avoir des foyers heureux, des voitures, des maisons, de belles voitures, toutes les richesses naturelles de ce monde. C'est comme un arbre, un fruitier figuier qui porte seulement des feuilles. It's normal. C'est naturel. The Bible says. La Bible dit. It says after all these things. Après cela, other people pursue. Comme des païens. Other people pursue other things. Comme c'est des païens qui courent derrière ça. You seek first the kingdom of God. Mais vous, c'est une obligation de vous de chercher d'abord le royaume de Dieu. In other words, ça veut dire. God is saying, don't bother about the fruit. You must bring fruit. That means, don't bother about the leaves. You must, everything must produce. Comme c'est comme si Dieu entend de vous dire que porter des fruits, c'est comme des richesses qui est normal. Ça c'est pas important. The leaf is not the most important thing. The voice of don't pursue how to have a peaceful home. Your home must be peaceful. Ça veut dire que pour y avoir un foyer heureux, c'est pas un travail à faire. Don't pursue how to be healthy. You must be healthy. The Bible says healing are children's needs. It is your meat. On ne doit pas courir derrière ou travailler derrière d'avoir les bonnes santé. Quand c'est naturel, que le Seigneur a tout accompli pour cela. Amen. But the most important thing. Mais le chose la plus importante. Is the fruits. C'est le fruit. That is the expectation of the master. Mais qu'est-ce qu'il espère? The fruits. The fruits. C'est le fruit. The fruits. Le fruit. Your life must be productive. Quand ta vie est une obligation de votre Dieu de porter ce fruit. Be a fruit. Cause c'est une obligation to not porter the fruit. And the fruit that God is expecting you to bear must be a fruit of righteousness. Et quand le fruit à laquelle Dieu attend de ne pas, c'est le fruit de justice. Fruit of glory. C'est le fruit de gloire. Fruit of honor. Le fruit d'honneur. Fruit that makes a difference among others. Le fruit qui marque la différence parmi
des milliers. You know there are some fruits we eat, it gives us more sugar, it shoots up our cholesterol. Est-ce que vous savez qu'il y a certains fruits qu'on mange qui donnent dans nos organes le cholestérol? As good as fruit is to health, there are some the sugar content is abnormal. The doctor have to advise some people that certain fruit like banana, banana has a lot of sugar. That's some people who have diabetes to a degree. They encourage them don't eat banana. Cool. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de fruits qui sont bien pour notre santé, qu'il y en a encore des fruits qui ne sont pas tellement bons pour notre santé, comme des bananes qui contiennent des choses qui peuvent provoquer des maladies dans le corps. Par exemple, ceux qui sont diabète, diabétiques, que le médecin leur conseille de éviter de manger des bananes. But you see, the fruit that the Word of God is encouraging us to bear are the fruit of righteousness. Que le fruit à laquelle Dieu attend de nous, c'est le fruit de justice. Fruit that establish you and establish others in the kingdom. Que le fruit qui nous établit et établit aussi les autres dans le royaume de Dieu. God is looking for people whose life will begin to be productive, especially in this commission. Que le Seigneur est en train de chercher les gens. Que nous vivons porter de fruits qui est agréable à Dieu, particulièrement dans ce ministère. Whose life will begin to bear fruits? Que leur vie va commencer à porter de fruits. Whose life will begin to be making meaning, both to the kingdom and to his or her personal life. Que ils vont porter de fruits qui ont des sens pour le royaume de Dieu et pour sa propre vie. Amen. God have an expectation over your life. Que Dieu a des attentes. He has an expectation. Il a des attentes. He believes that you are here, look at me, to do the impossible for him. Le Seigneur est là pour vous voir faire des choses qui paraissent pour l'homme impossible. He believes that you are here to go and reach out. Que le Seigneur croit que vous êtes là de pouvoir aller toucher les autres à l'intérieur. You are not sent to be sitting down in the church. On ne vous a pas sauvé. On ne vous a pas appelé de s'asseoir dans l'église. Bearing fruit day and night. Mais on vous a sauvé. On vous a appelé pour porter le fruit. When you begin to bear fruit. When you begin to bear fruit. Quand vous commencez à porter le fruit. I tell you sincerely. Je vous ai dit your life will never remain the same again. Comme votre vie ne peut pas rester pareil. Part of the fruit that God expects you to begin to bear from now. Comme le fruit où le Seigneur attend que nous portons à partir de maintenant. It's a fruit of soul winning. C'est le fruit de soul winning. De sauver, le fruit de sauver les âmes. Soul winning. De sauver les âmes perdues. Soul winning. De sauver les âmes perdues. Listen to me. And listen go. Écoutez-moi très bien. The Bible says something about soul winners. La Bible a dit quelque chose de ceux qui gagnent les âmes. Merci. He said, how beautiful are the feet of they that publish the gospel. Yeah. Comment c'est beau les pieds de ceux qui portent l'évangile. How beautiful is their feet. Comment c'est si beau. When Bible is talking about beautiful feet. Quand la Bible parle de la beauté de pieds. He's talking about an individual whose life is meaningful. Quand il parle d'un individu quand sa vie a des sens pour le royaume. When your feet is beautiful. Quand ton pied est beau. Your home become an enviable home. Quand ta maison, ton foyer. When your feet is beautiful. Parce que tes pieds sont si beaux. Anything you do become an envy to everybody. Tout ce que tu fais obligatoirement, ça va devenir des choses. When your feet is beautiful. Quand tes pieds sont beaux. You find yourself on top. Meanwhile, you are at the back, but suddenly, somehow, unexplainable, you are already at the top. Quand mes pieds ne pètent pas. Quand peut-être tu te vois beautiful. Quand ton pied est beau. At the feet of them that publish the gospel. Comment si beau les pieds de ceux qui apportent l'évangile. So this is not about prayer again. Comme ça n'a rien à voir avec ça. It's about understanding. Comme ça, on parle de la compréhension. Going out and reaching out to people. Que quand vous sortez et que vous allez parler de Jésus aux gens. God will begin to fix your life. Comme le Seigneur va commencer à because God cannot deny himself. Parce que Dieu ne peut pas. And he cannot change his word. He is committed to those who are going out to reach out to souls. Quand il s'est engagé à la vie de ceux qui sont pour aller and when you're going out. Quand tu sors. He fixes your life.
quand il commençait à arranger ta vie. He makes sure your life is beautiful. Il s'assure que tes pieds sont si beaux. He beautifies your journey. He beautifies everything that comes. Il va remplir ta vie et ta vie de tout ce que tu as avec sa beauté. One of the prayers we want to pray this night. Une de prières qu'on va prier ce soir. That you and I will begin to bear fruits. C'est que vous et moi, on va commencer à porter de fruits et agréable à Dieu. Let me tell you this: when your fruit begins to come forth. Quand tu commences à porter de fruits. Listen. Écoutez-moi bien. And listen good. Écoutez-moi très bien. Your tree will begin to bring forth fruits in a such way that can't be explained to people. Quand ta vie et tes rêves vont commencer à porter de fruits inexplicables. The Bible says in the book of Revelation chapter 22. Comme la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 22. Let our sister come and read for us. Qu'est-ce qu'on a sur pour venir lire ça? Look at what the Bible says in Revelation chapter 22. Et peut-être qu'est-ce que la Bible dit? If you are here, turn to that place. That will really help you. Oh, il va beaucoup vous aider. Apocalypse chapitre 22. Let's see what the Lord said about the tree that produces fruits. 22. Oh, 22. Oui. Look at verse 2 downward. Just verse 2. Donc, il voulait qu'on voit qu'est-ce que le Seigneur a dit au sujet de un l'arbre qui porte de fruits. Merci, mon frère. Yes. À partir de verset 2, c'est ça? Verse 2. Read on, my sister. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Is that verse 2, right? Yes. The Bible is talking about a particular tree here. Quand la Bible parle d'un arbre particulier ici. This tree, Satan, the word of God call it tree of life. Quand la Bible a décrit cet arbre comme l'arbre de vie. He said that tree is planted in the middle. Quand cet arbre est planté au milieu. In the midst of the streets. Au milieu de la rue. That is the streets of the Lord. Quand ça c'est la rue du Seigneur. He's talking about you, he's talking about me. Il parle de vous et pas de moi. He now said something unique about the life of those people who are truly going out and going out to win souls. Et il a parlé particulièrement de la vie de ceux qui sortent pour apporter l'évangile aux autres. Is that these people will bear fruits? Il a dit que ces gens, obligatoirement, ils vont porter de fruits. But their life as a tree. Quand leur vie étant des arbres. It is one tree that will be producing 12 fruits. Quand c'est un seul arbre qui va produire 12 fruits. You as a person. Quand toi en tant que personne. En tant que quelqu'un. We have 12 months in a year. On a 12 mois dans l'année. If you look at that verse of the scripture, quand tu regardes bien cette verset de l'écriture, the tree produces our fruits, 12 different fruits in 12 seasons of the months of the year. Quand cet arbre produit 12 fruits à 12 saisons. He said, in the midst of the streets of it, au milieu de la rue, and on either side of the river, dans deux côtés du river, was there the tree of life, il y avait l'arbre de la vie, which bear 12 manner of fruits, qui produit 12 fruits différents, one tree, un seul arbre, producing 12 manner of fruits. Qui porte des fruits, 12 fruits différents. Amen. Which bear 12 manner of fruits and yielded a fruit every month. Obligatoirement, tous les mois, cet arbre porte des fruits, 12 différents, chaque mois. Hallelujah. 12 manner of fruits. 12 fruits différents. And each fruit produced every month. Chaque fruit encore produit chaque mois. That means ça te dit, the moment you begin to go out and begin to reach out to souls and you are bringing many unto the Lord in this commission. Quand le moment quand tu sors pour aller apporter la parole, in the month of April, as you start now, en commençant 7 mois d'avril, God settle your status in this country. Obligatoirement l'histoire de ton statut dans ce pays, that le Dieu est capable de régler. That is one fruit.
Comme ça c'est. The following month. Comme le mois prochain. God settle your marriage. Comme le Seigneur va s'en occuper de ton. The following month. Comme le mois qui suit. God settle your accommodation. Comme le Seigneur va s'en occuper de ton. The next month. Comme le mois après. Healing come your way. Each month of the year becomes a gift. Chaque mois. As long, the only time you lose this benefit is when you stop reaching out. Le seul fois où tu peux perdre tous ces bénéfices, c'est quand tu arrêtes d'apporter les modules. You can imagine the blessing God has for us. Est-ce que tu peux imaginer la bénédiction? And when the Almighty God came to see the fig tree, which represents many of us that are seated here. Et quand le tout puissant est venu pour voir l'arbre, s'il a porté le. Is so frustrated. Quand le Seigneur était tellement frustré. What's wrong with you? Why are you sitting down? Parce qu'il voit qu'on n'a pas porté le. Can't you see what I have for you? Quand le Seigneur entend de nous. Can't you be productive? Il entend de nous dire comme un. Can't you reach out? Est-ce qu'on ne peut pas aller? Can't you reach out? Vous parlez de lui le jour. Can't you touch lights? Est-ce qu'on n'est pas. Why are you sitting down? Qu'est-ce qu'on fait en étant s'asseoir? God was mad. Quand le Seigneur était fou de rage. He told me. Dresser of the vineyard. Donc il a dit à cet ouvrier, l'ouvrier de qui s'occupait de la. That dresser is Jesus. Que cet ouvrier, c'est ouvrier, c'est Jésus. And he said, cut it down. Que le père a dit au fils. But the master Jesus, the loving father said. Que mais le maître, le Seigneur a dit. Master, please give this young man. One more year. Il a encore supplié son père. I don't know who you are. You are seated here. God is giving you one more chance. Que le Seigneur, que je ne sais pas qui tu es, mais some people are seated here. Le Seigneur encore t'a accordé la grâce. They have only one more chance. Que il y a certains qui sont ici. Que le Seigneur vous a donné une mois. You don't want to lose that opportunity. Que je pense aujourd'hui, tu ne veux pas rater cette opportunité. He that have been saved. Vous êtes sauvés. Said, arise for the salvation of others. Lèvez-vous pour le salut de ceux. You're not supposed to be sitting down comfortably. On ne s'est pas sauvé de ça. Coming down for service like this is to come and equip yourself. Quand venant ici en ce jour, c'est de pouvoir se occuper. As you equip yourself with the knowledge of God's word. En étant équipé toi-même par la parole de Dieu. Jump to the streets. Alors, reach out to friends and family. Allez pour aller se prêcher l'évangile. You cannot win so. Tu ne peux pas gagner là. No. The Bible says, no one can come except the one I bring by myself. Que il y a personne qui peut venir à moi. Sauf que j'ai attiré. You cannot win souls. Que nous n'avons pas la capacité. Your duty is to go as a seed sower and cast the seed and go your way. Notre devoir c'est juste aller planter seulement, sauver la parole. The Bible says, que la Bible dit, the sower sowed the seed and does what? Comme le semeur est venu, il a semé les semences, il part. That's all. Que c'est tout ce qu'il a. The Bible says Paul planted. Que la Bible a dit que Paul a planté. Apollo waters. Et Apollo a arrosé. But the results. Mais le résultat. Where does it come from? From God. De Dieu lui-même. So you don't have to worry yourself. Tu n'as pas besoin pour about how people will come to church. De occuper de quelqu'un qui va venir à l'église. But worry yourself. But worry more. Comme le plus important c'est que tu dois t'inquiéter de toi-même. About how to cast the seed. Comment semer les. Just go and cast the seed. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller semer les semences. Because of my time, let me share this few testimony with you. À cause de mon temps, j'aimerais beaucoup partager cette témoignage avec vous. 1996. L'année 1996. About 22 years ago. À peu près 22 ans. On allait. 23 years ago. En 20 ans, on allait. There was an outreach program, and a lady who was from a Muslim family, you know, received the word of God, and that was it. À cette époque, ils sont sortis dans ce tout particulier de pouvoir aller parler de Jésus aux gens. Il y a une fille qui vient de la famille musulmane qui a reçu la parole. They told her. On lui a dit. We are not asking you to come to church with us. On t'a pas dit de venir. We know you are Muslim. On savait que tu es musulman. The issue is this. Mais que l'issue. Just believe in the Lord Jesus. Juste crois seulement. And receive him as your Lord and your Savior. Et le recevoir comme ton sauveur. And you will be saved. Et que tu seras sauvé. And the lady said, oh, it's not more than that. He said, yes, it's not more than that. Et que la vie a dit que si c'est tout ça, c'est facile. And they sowed the seed of the word of God into her. Et on a semé en elle. And the sowers went their way. La semence de la parole.
10 years. Et celui qui a semé est parti. 10 years later. 10 ans après. The seed began to germinate. Quand le semence commence. The seed that was sown in 1996 brought a harvest 2006. Quand ce qui a été le semence qui a été semé en 1996 a porté le fruit 10 ans après. Because as at that time the lady was due to be married. She was already 31 years as at 1996. Nobody was forthcoming for her. Comme l'année 1996, la femme ou la fille a été arrivée à un âge de se marier, elle avait 31 ans. Et il n'y a personne qui cherche à l'épouser. 10 years later, she was already 41 years. Nobody was looking for her. 10 ans après, elle était toujours célibataire. But at the end of the day, comme à la fin exactly 10 years later, 10 ans après, she started having dreams. Elle commence. I have been the rêve. She saw herself as a Muslim sister having a church wedding. Et elle s'est vue dans ses rêves en tant que musulman qui voulait se marier, mais dans une église. She was seeing herself with that white regalia. Elle se voyait avec des robes, des robes blanches. And the wedding was so sweet and wonderful. Et quoi, dans ses rêves, c'était un rêve, un mariage. And she woke up. Et quand elle s'est levée, she went to meet the mother. Et elle est allée voir sa that she had a dream. Qu'elle a eu un rêve. That the particular big church at the entrance of their area, she saw herself in a dream holding a wedding ceremony. That you, my father, my brothers, my sisters, even a lot of Muslim faithfuls were there in that church coming to celebrate the wedding with me. Qu'elle a vu dans ses rêves qu'il y a une église qui n'est pas loin de chez eux. Qu'elle s'est vue. Elle a vu ses parents, elle a vu beaucoup de sa famille qui sont été dans ses rêves, qui sont venus pour son mariage dans l'église. That same night, que la nuit même, the mother had the same dream. Que la mère a fait la même rêve. As he was narrating the dream to the mother said, "The same dream I had towards you." Et en disant à sa mère la rêve qu'elle a fait, que sa mère a dit que moi aussi j'ai fait la même rêve cette nuit. After the morning session, morning prayer with the father came to come and take his breakfast and he saw the daughter. He said, "Obeda, I had a dream. It was a nightmare, I believe. I saw you in that church in my dream. You are wedded there." I said, "What kind of dream is this?" And the mother said, "This is not a nightmare anymore. That was the same dream your daughter had. I had the same dream. We are still planning to come and discuss with you. You also is having the same dream." Alléluia. Que maintenant, au finalement, le moment de déjeuner ensemble, et quand le père était à table avec sa femme, avec la fille, que le père a dit que j'ai fait un mauvais rêve sur toi. Que cette nuit, je t'ai vu dans cette église en train de se marier. Et que sa mère a dit que non, que c'est pas un mauvais rêve. C'est un bon rêve. Moi aussi, je le fais. Elle aussi, elle a fait la même chose toute cette nuit. And the chief imam of the environment came in the next hour of prayer. After the next hour of prayer, he came to their house. And he called the parents of the lady. While the lady was preparing something for the chief imam. Et quand l'imam, c'est l'imam qu'on dit en français. L'imam de leur mosquée est venu, après leur prière, est venu de la maison de cette fille de parler avec son père. And he said in his own case. Et il a dit. He said, "About a month ago." Qu'il y avait un mois. I had a very terrible dream about you. Il a eu un mauvais rêve concernant le monsieur. The chief imam this time around. C'est le chef imam. So I've not been able to come and share the dream, but today I am here. So I needed to let you know. Que depuis un mois, soit j'avais pas le courage ou le temps pour venir te partager ce rêve, mais aujourd'hui quand même, je suis là. He said, "No, the dream is a bad one." Que c'est un très mauvais rêve. But let me just share it with you. Mais quand même, tu vas te partager. See the church at the entrance of the area. Quand l'église qui est à l'entrée de cette rue. I saw that wedding took place there, and you are the one on that Christian gown that they used to wear. Just that the Christian ladies on their wedding day. That's the gown you wear on that day. Quand il commençait à dire, was he talking to the lady or to the father? Both the lady and the parents. Okay. Quand l'imam commençait à dire, il y a un mois je fais un rêve. Des critères là, comment il s'habille pour se marier, je vois ta fille pendant ça en train de se marier, que c'est un mauvais rêve. The moment he said that, que l'imam a dit ça, the father of the lady said to the chief imam, "This is not a bad dream." Que le père de cette fille a dit à cette chef imam que c'est pas un mauvais rêve. He said, "Overnight, all of us have the same dream." Que même la nuit même, nous tous les trois, moi,
Ma femme, you have had your own a month ago. I ask you, chief imam, that my daughter, you should come and marry her. You refuse to marry her. Bro, mais je t'ai demandé de venir marier ma vie. Tu as refusé. All your four sons who are matured and man enough, who have been married, I told you that I want to dash them, my daughter. None of you refuse to take her and bro, marry her as a dash wife. Quand même, à un moment, j'étais tellement mal que je dis bon, tous tes fils là, je veux juste donner comme un cadeau pour pouvoir sortir ma vie d'ici. Mais tu as refusé, tu n'as pas accepté. And people of God, le peuple de Dieu. The man said today, le monsieur a dit que aujourd'hui même, my daughter is going to that same church. Que ma vie va aller dans cette église. The father grabbed the daughter. Que le père lui-même a pris sa to the church. Et là, la monnaie à cette église. And toi, oui. Et la jeter dans l'église. He said, I give you over. Je give you over. Whatever they want to do with you, they should do with your life. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ta vie dans l'église? Qu'ils font comme ils le veulent. Fortunately, go on le soir. Service was about to hold on that evening. Go le cruce et juste. They received the sister. Ils sont reçus. They came to minister. On commence à ministrer. On commence à lui parler. Exactly 9 months. Go 9 mois après. She found her old husband in the church. Elle a trouvé son mari à l'église. In that same year. Le même année. She was wedded. Elle a été mariée. But that is not where I'm going. Mais c'est pas là où friends, in the family of the lady. Bien aimé, dans la famille de cette femme. They all have a sickness that runs in their family. Ils ont tous des maladies qui sont dans le sang dans la famille. It is asthma. They are asthmatic. Ils sont asthmatiques. They are all asthmatic. Tout dans la famille. And the lady has 6 siblings. Et la fille a 6 frères et sœurs. 4 male, 2 girls. 4 garçons, 2 filles. All of them, ils tous, are having this sickness. Ils sont cette maladie de. But the moment the lady gave her life to Christ, she was totally healed. Elle a donné sa vie à Jésus, elle a été guérie, elle est totalement. And one of them was dying. Et que un parmi eux en train de mourir. She went to meet the sister and told her, you don't need to die in this situation. Elle était allée parler à sa soeur. Go, tu n'as pas besoin de mourir dans cette situation. Because you people abandoned me, you left me, and because I'm now a Christian, you've not been knowing what is going on in my life. Go, la fille a dit à sa famille, vous m'avez tout abandonné. I'm no more asthmatic. I'm no more living with medication. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que le Seigneur t'a donné. Jesus healed me. Je suis guéri, ma vie est. And he can heal you too. Et que le Seigneur est capable de te guérir. Then he said, what do I do? Et que sa soeur est demandée, mais qu'est-ce que je dois faire alors? And their sister led that other one to Christ. Et que la fille, il a la mariée. Because our God is a faithful God. À l'église. Et que parce que notre Seigneur est fidèle. The same lady, as soon as she gave her life to Christ, she began to come with her own children. She also has 4 children. 2 of her children are already asthmatic. Que le moment où la soeur aussi a reçu Jésus, elle commence à ramener ses enfants parce qu'elle a 4 enfants et 2 parmi ses enfants aussi, ils ont la même maladie, ils ont été asthmatiques. And the children, those 2 children and the lady, they also received their. Que la mère avec ses 2 filles qui ont été asthmatiques a été guérie. The father, the mother and the rest of the family, they are the one that decided to surrender for Jesus that we are. Et c'est le père lui-même. Sa mère et toute la famille qui sont choisis eux-mêmes de venir à Christ. How beautiful are the feet of they comment beau les that publish the gospel. Qui porte l'évangile. How beautiful. Comment beau the Lord beautified the life of that lady. Que le Seigneur a rajouté sa the Lord took away her shame. Que le Seigneur a enlevé sa honte. And as the Lord took it away. Et comme le Seigneur a enlevé sa honte. The Lord decorated her with his glory. Que le Seigneur a la rend belle avec sa honte. But the lady initially started bearing fruits. Mais que la vie commence à. She was saved. She decided to go for the salvation of others. Que le moment où la vie a été sauvée, elle commence. And through that, her life was going forward. Et en faisant cela, le Seigneur s'assurait que sa vie avance. If you are here seated in the church. Si tu es là et tu s'assois dans l'église. You don't have anything to do. Que tu n'as rien à faire. You are not saved to be seated. Que tu n'étais pas sauvé de s'asseoir dans l'église. Jesus says. Que le Seigneur a dit. I walk.
Que je travaille. And my father work in the kingdom. Et que mon père aussi travaille. We are saved to work in the kingdom. Nous avons été sauvés de travailler. God has given us a vineyard to till. Que le Seigneur nous a donné le vin de pouvoir travailler. He expects us to till the ground. Il nous attend de comment dire? And that de, our ground will begin to bring forth fruits. Que de tenir le, la terre. Bring forth et blessings. Cette terre était obligatoirement. Bring forth honor. Ramener des honneurs. I pray for somebody in the house. Je prie pour quelqu'un dans la maison. Your life will begin to be productive. Que ta vie va commencer à porter le fruit. Amen. Amen. But before I round up, juste avant que je finisse, there are two other things I needed to talk about. Il y a d'autres choses que je voulais dire. About the vineyard and the vine itself. Sorry, sir. Okay, sir. Bless you. About the vineyard and the vine dresser. Au niveau de la vine, c'est ça? La vigne et l'ouvrier. The master said. Que le maître a dit. These 3 years. Que pendant trois années passées. I come. Que je suis venu. I found nothing. Que j'ai rien trouvé sous l'arbre. And that's where our prayer, the first prayer, will come from. Que c'est ça la première prière qu'on va faire. That your life will not be useless. Que ta vie va pas être une vie inutile. Your days will not be wasted. Quand tes jours ne sera pas de gaspillage. Some are just living for nothing. Quand il y en a qui vivent pour rien. They are like that fig tree. Quand ils sont comme cette figuier. They are just occupying space. Ils n'occupent seulement de place. They are just occupying space. Ils n'occupent seulement de place. That should not be the life of a believer. Quand ça ne devrait pas être la vie. You must be productive wherever you are. You must be productive. C'est une obligation pour l'homme. You must be productive. Your tree must be a fruit. À des obligations de la part de Dieu, de porter de fruit. Quelque chose doit se passer dans ta vie. The last one. Que le dernier. The vine dresser. Que l'ouvrier, c'est lui qui s'occupe de cette dame. And that vine dresser is Jesus. Que cet ouvrier qui s'occupe de cette figuier, c'est Jésus. Jesus began to plead. Et que le Seigneur commence à plaider ta cause. To the owner of the vineyard, which is God Almighty. À plaider ta cause devant son père. He said, please give him one month. Il a dit, s'il te plaît, juste un année de plus. Your master, my master, is pleading for us. Ton maître est le mien. De plaider devant le père. God has given us one more year. Que le Seigneur nous a donné le. It's essential that the opportunity you have now, you don't abuse it. Il était très important que tu n'abuses pas. You don't waste it. Don't waste it. Il ne faut pas lui faire le gaspiller. It's dangerous. C'est dangereux. It's dangerous. C'est dangereux. Don't waste it. Il ne faut pas le gaspiller. Don't waste the blood that was shed on the cross of Calvary. Ne pas gaspiller le sang du sang. Don't waste. Oh, the pain that the Lord Jesus Christ suffered. The pain He carries for you. Don't waste it. Il ne faut pas le gaspiller. Don't waste His nakedness. Il ne faut pas gaspiller. He became naked so that you and me won't be naked. Parce qu'il a fait ça pour que moi et toi qu'on ne sera pas nus. The sparks on Him. Que il a été comment dire, spike. On l'a caché dessus. So that nobody will do that to you. So that quelqu'un va pas te faire. You don't want to waste it. Que on n'a pas besoin. Then if you are not going to waste it, if you are not going to waste it, alors si tu ne veux pas le gaspiller, you must begin to work. Que tu en as besoin de commencer à travailler pour porter. You either join intercessors. Que soit tu vas te joindre. Au groupe intercession, you must belong to a service unit. Tu dois faire partie d'un service. Where your life, where your life must be productive for the Lord. Là où ta vie doit porter le fruit. Where you be serving the Lord. Là où tu dois servir le Seigneur. Oh yes, you must serve the Lord. C'est une obligation. That is what brings results. Cause c'est ça qui attire. That is what brings blessings. Cause c'est ça qui attire. That is what take you from the back to the front line. Cause c'est ça qui va te ramener du derrière jusqu'à. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Yes. You want God to answer your prayers? Tu veux que Dieu réponde à ta prière? Go and join the service list. Yeah. Alors fais quelque chose dans l'église. When you see the highway. Quand tu vois l'autoroute, there is a service lane. Il y a un côté du service. That is always at the left side. C'est toujours à la gauche. It's for those who want to speak. C'est pour il y a un côté donc autoroute. Yes, il y a un côté à la gauche. For those who want to speak. Ceux qui vont faire la vitesse. When you begin to serve the Lord,
quand tu commences à servir le Seigneur. And you are servicing the Lord seriously. Et quand tu sers le Seigneur. You are serving in your service unit very very well in the church. Là où on t'a placé. You are actually on the service lane. Normalement, ça veut dire God takes you to highway. Comment dit? La voie de sa vie. It takes you to highway. Que le Seigneur lui-même va. Highway is not, a local way. Merci. Que l'autoroute, c'est pas les routes d'un chemin. You know there are some drivers, they cannot drive in the highway. Comme moi. It's from streets. It's from streets on the streets. Il a dit quand c'est pas tout le monde. They move from streets. On dit la voie la plus autoroute. They can move from Massy. Il faut quitter Massy. Palaiso. To airport. From street to street. Jusqu'à à l'aéroport. Ils vont passer de maison à maison, de petit route, de petit route. And it may take that the whole day. Meanwhile, some people, they only need to get to the highway. Mais quand il y a des gens qui cherchent dans le route. And they'll be overtaking others. Et ils vont dépasser. I'm going far. Ils vont aller. I'm going far. What their mates has achieved. Donc, les choses qu'on leur camarade. They are still backwards, struggling to get it. Ils sont en train de se battre de la périr. They don't need to do that. Mais eux-mêmes, ils vont aller. Book yourself to service lane. Quand c'est important que tu te places dans la voie de vie. In the book of Isaiah 35. Quand la Bible a dit dans le livre de Isaïe 35. He said there is a highway. Quand il y a un autoroute. He said that way is the way of the Lord. Quand cette route est un route du Seigneur. When you finish Isaiah 35 verse 8, I think verse 8 to verse 10. Isaïe 35. You've seen it. Verse 8 à 10. Let's do it. Just read it. Isaiah 35. Thank you, Holy Spirit. Yeah, read from verse 8. He said, and a highway shall be there. So, is it 35? Isaiah 35. 35. Starting from verse 8 to verse 9 and 10. Wait at this. Isaiah 35. Thank you, Holy Spirit. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. The Bible says, this highway, it is a way that the Lord Himself created. Cette autoroute, c'est une route où le Seigneur lui-même a créé. And he started saying, it's a way of holiness. Il commence à dire que c'est la route de la santé. Unclean people shall not pass through the place. Les impudités, papa, vont pas y avoir accès à cette route. He said, the way fearing men do their food shall end therein, and so on. He now said in verse 9. Le Seigneur va passer par cette route. He said, no lion shall be there. Il a dit qu'il n'y aura aucun lion sur cette route. Nor any ravenous beast shall go up there. Donc, il n'y a aucun animal impur. But the redeemed of the Lord shall walk in that highway. C'est eux qui vont marcher sur cette route. No lion on that highway. Il n'y aura aucun lion. Who are the lions on the highway? C'est ils sont qui les lions sur la route? The highway police officers that give people tickets. Quoi, ils sont des policiers. Ils sont des policiers qui donnent des amendes. In other words, ça veut dire, when you are walking in the paths of the Lord, when you are serving the Lord, quand tu sers le Seigneur, God make sure that nobody harass you. Mais faut t'assurer qu'il y a personne qui va. Yes. You don't suffer the trouble that every other one suffers. Tu es rangé? No. Your heart is different. Tes pas est différent. Your case is different. Tes cas est différent. No. No great fearing men on the way. Il n'y a pas la crainte de. No lion on the way. Il n'y aura pas de lion sur. The latter verse says. Le verset. Is that the ransom of the Lord shall return when they are finishing their journey? They shall return with thanksgiving. Il a dit, my God, avec le remerciement. Those who are committed.
ceux qui servaient le Lord, sont engagés de servir le Seigneur, tilling their own vineyard, ceux qui travaillaient leur those terre, who are committed in working in the kingdom of God, ceux qui sont travaillés pour le Seigneur, God will make sure that they return with thanksgiving, que le Seigneur va s'assurer qu'ils vont revenir, they will return with glory, with evidence of answered prayer in their lives, ils vont revenir avec des témoignages palpables dans leur vie. This and many more is what the Lord owes you. Because you are committed to serving the Lord, in tilling your own ground. Et tous ces bénéfices, tous ces droits, tous ces bénéfices, et qu'est-ce que le Seigneur nous doit si nous assumons nos responsabilités vers lui? I want us to pray. J'aimerais qu'on prie. I want us to stand up. J'aimerais que tout le monde se lève. I want you to pray very, very well. Et j'aimerais que vous que tu pries bien. There are three prayers I want us to pray in this. I promise you, we won't pray more than that three, but please pray it with understanding. Je vous assure qu'on va pas. The first prayer. C'est juste trois prières, mais j'aimerais que tu t'engages beaucoup dedans. Jesus, the vine dresser, he was pleading for that particular man that was supposed to till the ground. That he was pleading for the fig tree. Comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a plaidé le corps de cette figuier. He said, Master. Il a dit. No, 3 years was wasted. Comme c'est vrai que pendant 3 années, cette figuier a gaspillé le terrain. Give him 1 more year. Mais je t'ai supplié de lui donner encore un privilège de 1 an. I want you to pray. J'aimerais que tu pries. Lord. Seigneur. Look at me. Regardez-moi. Every year I have wasted. Comme toutes les années que j'ai perdues. And every year the devil has wasted in my life. Et tous les années qu'on le diable a gaspillé dans ma vie. Father, redeem those years. Qu'on rachète toute cette année. Alléluia. What do I say? Racheter, redeem. The Bible says, the years that locust and cankerworm has eaten. He said he will restore. Qu'on l'année. So you want Le sauterelle a gaspillé. We want to tell the Lord. Donc tu vas prier aussi. All the years that tous les années qui a été gaspillé dans ma vie. You know, I met a brother who j'ai rencontré un frère who got into America 1992. Qui est parti en Amérique 1992. And as a dad, I met him in 2016. He does not even have a basic social security number. He doesn't have. Et l'année 2016. Que je lui rencontrais, même pour y avoir un numéro de sécurité sociale. More than 20 years. Plus que. Il n'a rien. He said he has never come out of the city of Boston. He's always in the city. And he doesn't know some places in Boston because he's afraid of police controlling him. Plus que 20 ans d'année, qu'il n'a pas sorti de la ville où il était. Et il a même pensé qu'il y a même des endroits dans cette ville qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas beaucoup, parce qu'ils ne sont pas bien. But the brother met with Jesus. Mais que le jour où le frère a raconté Jésus. That same year. Que cette année-là. La même année. His story changed. La même année. Que son histoire a changé. What do I say? His story changed. Son histoire a changé. All the years he has wasted. Que toutes les années qu'il a été. And the years that the enemy wasted for him. Et l'année que des années que les que all those years was restored. Que le Seigneur a restauré. Hey! Listen, those men want to marry money. Il y avait pas une fille qui voulait lui marier. The moment his paper was true. Que le moment où son statut a été réglé. You know, the Bible says, whoever find a wife, find a good thing. Vous avez quoi la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé la faveur du bonheur et la faveur de Dieu. The women in the church say, whosoever find a man has found something best. Comme maintenant, c'est les filles à l'église qui ont dit que c'est lui qui trouve un homme. Elle a trouvé les choses meilleures. It is the sister that had now come in and say, bro, we are available. Maintenant, c'est les hommes qui commencent à dire au frère, on est disponible. When the Lord restore and redeem your years, it is a new beginning for you. Et racheter les années gaspillées, c'est un nouveau commencement. That's the first prayer. Hallelujah. You lift up your voice unto heaven. My Father, my God. All the years that the devil has wasted for me. Restore the years, O Lord. Lift up your voice and begin to pray that prayer. All the years that the devil has wasted for me. All the years that I have lost. All the years that I have lost. I command the
recovery of those years. I command recovery of those years. All the years that I am lost into the hand of the enemy. So, all the years of my loss, I recover it right now. Somebody pray, pray that prayer. Pray that prayer, pray that prayer. Lift up the voice, lift up the voice, lift up the voice, pray. Supeko shaza sa. Sepso piko skitianda. Shaza preke zeke zeke zeke. All the years that the enemy have wasted, Lord, I recover. I recover the years. I recover the years, 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 I recover the years.